à tous, c'est la ferme de Vito. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors j'ai eu 3 faisans qui ont éclos, 2 qui ont éclos mais ils sont morts. Donc je suis un peu déçue mais j'en ai quand même eu 3. Après j'ai celui-là, normalement il devait éclore mais sauf qu'il a dû mourir. Parce que là je vois il est mort dans sa coquille. Et après là j'ai 3 œufs de fécondés et je ne sais pas encore c'est quoi. On va regarder ça. Hop, on met la lumière. Pour qu'on voit mieux, on est ref. Alors, je vous montre l'œuf de faisan. Alors, l'œuf de faisan, vous voyez, il y a tous les points noirs là, tout ce qui est là. En fait, c'est lui, mais il est brûlé. C'est les coquilles de mes œufs quand je l'enclos. Moi j'étais pas là donc j'ai pas pu assister à l'éclosion. Alors par exemple celui-là il n'est pas fécondé. On le voit, il n'y a pas de veine et ni d'ovule. Alors lui vous allez voir, il est fécondé. Je sais pas si le point qui est ici, là plutôt, c'est le poussin. Ça c'est pas poussin, ça c'est une tache. Mais ce que vous voyez là, le point noir, c'est le poussin, juste bon. Voilà. Après, celui-là, non, je t'ai montré. Celui-là, on voit le petit toit. Ce qui me dérange, c'est qu'il a pas de veine, donc je ne pense pas. Lui, il n'y a rien. Comme vous voyez. Après, lui non plus. Et lui, il est fécondé. Si vous voyez un point noir, c'est ça, bon, à part ça. Et vous voyez bien les veines là sur les côtés. Il est précisément à peu près ici là. Bon, maintenant on va aller voir les poussins, les faisans. Attendez, là je vais faire la lumière. Alors mes poussins. Alors, ils sont ici. Là, 3 petits faisans. Enfin, de la grille. C'est chiant ce bruit. Alors, voilà. Ils sont très 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 vifs. Bon, faut faire très attention parce que leurs pattes ils sont très fragiles. J'espère qu'il y aura un mâle et 2 femelles. Au moins un mâle. Et au moins une femelle. Qu'il n'y aura pas que des mâles ou que des femelles. De toute façon, s'il n'y a que des mâles ou que des femelles, les mâles, je leur vendrai un ou 2 mâles. Et les femelles, je les garderai et j'achèterai un mâle. Essayerai qu'ils sont de la même taille pour pas prendre un mâle qui est déjà adulte et qui sont comme qu'au 3e âge. Donc voilà mes poussins, je leur donne en aliment ça. Je suis maïs, mais je pense que je vais changer parce que ils adorent pas trop. Je sais pas. Je leur donne ça. Je pense que je vais acheter du fer, un truc pour poussin. Après mon lapin, voilà. Je sais pas si un copain qui m'a. En fait, je lui ai redonné les 3 poussins. Et lui, il m'a. Et je lui ai donné 3 poussins, il m'a donné un lapin. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, c'est un fauve de Bourgogne. Tout
petit. Bon, pas tout de suite, là, il doit avoir 5-6 mois. À peu près. Non, un peu moins, quand même. Je lui redonne un peu de crabe de radis. Hop. Bon, je vais aller vous montrer mes poules. À tout à l'heure. Alors, voilà avec les poules. Voilà, le canard, tout ça, ils montent. Eux, les sucettes fermières. Les poules de fermières, je sais pas s'il y a des coqs, mais je pense qu'il y a au moins un coq entre les deux. Parce qu'il y en a une qui a une assez grande crête. Après, bah, mes poules, ça va, ils pondent. À manger, faut que je leur en remette, comme j'étais pas la même mère à un ami, mais je ne sais pas trop. Et voilà, on va aller voir les œufs. Bah, je ne sais pas, parce que des fois ils pondent ici et des fois ils pondent là-bas où il y a la poule. Il ouais, faut que je remette de la paille parce que je veux qu'il m'a cul. Ah oui, pour vous montrer, ma volière, je vais la faire ici. Bon, je ne l'ai pas trop fait là, parce que je vais les mettre dans à peu près 3 semaines, mes poussins d'eau. 3-4 semaines, un mois. Je vais attendre fin juillet, début août. Alors, je vais la faire de là, normalement. C'est là, dans le trou, pour que je puisse les piquer. Ici, là, tout le long, là. Normalement, on va tirer un peu dessus, c'est parce que le temps... Ici, jusqu'ici, jusque là, et après on monte jusqu'à l'arbre là, à peu près là. Mais je veux pas trop que ça dans les arbres, parce qu'après ça va être trop juste pour ici. Et je sais pas si je ferai si je remettrai un petit une séparation pour mettre un peu de perdrix. Mais tu vois, j'en trouve pas trop de perdrix, je sais pas trop où j'en ai. Donc si vous savez où il y a des perdrix, bah dites-le moi en commentaire parce que j'en cherche. Et voilà, après bah mon coq ça va, ma canne aussi. Ouais, ça va.